Salut à toutes et à tous, c'est Crobac, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, c'est la sortie de Final Fantasy XV, 10 ans après son annoncement, où il s'appelait encore Final Fantasy Versus XIII, et aujourd'hui, on peut enfin jouer à ce Final Fantasy. Et je vous cache pas que... Oui, c'est limite la petite larme à l'œil quand même que je démarre ce let's play sur un jeu que j'ai tellement attendu et dont toute la communauté des fans de Final Fantasy ont attendu. Aujourd'hui, on a mis la main dessus, on va pouvoir commencer, imaginer une nouvelle partie du jeu. C'est donc le jeu complet, ce n'est pas une démo cette fois-ci. Et on va pouvoir voir si ce Final Fantasy XV tient toutes les promesses que les fans, que la communauté tout entière attendait. Alors pour la petite précision quand même avant de démarrer le let's play, je vais faire ce let's play sous forme de vidéo d'une heure à peu près. Et je vais pas faire toutes les missions annexes en votre compagnie, parce que je trouve pas forcément très intéressant à regarder. Je les ferai dans mon coin, je pense, pour la plupart. J'en ferai peut-être 2-3 quand même pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et aussi, j'ai mis le jeu en japonais sous-titré français, tout simplement parce que oui, dans ce Final Fantasy XV, il y avait la possibilité de mettre les voix en français, qui est une grande nouveauté pour un FF de la part de Square Enix. Mais je trouve que les jeux d'acteurs en français ressortent quand même largement moins bien qu'en japonais. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. J'espère que ça vous dérangera pas trop pour suivre les let's play. Mais mon petit doigt me dit que non, de toute façon, si vous êtes fan de FF, le japonais c'est quand même la base quand on y joue, ou l'anglais quand on n'a pas le choix, pour FF13 par exemple. Alors ici, il va y avoir certainement une longue zone de didacticiel juste avant de démarrer la vraie histoire de Noctis. Et de ce fait, je vais faire une petite transition ici, et on se retrouve pour le démarrage de ce super jeu, en tout cas, je l'espère. C'est parti.旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。 まあ、王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？色々と言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。 知っての通り、頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コルが車で待ってんだろ。
ドロット、よろしくな。くれぐれも。未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらも、ニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。俺、働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。Et on y est enfin, mesdames et messieurs. Et regardez-moi ça, ce que c'est joli. Ah, y a pas à dire. C'est magnifique. Du coup, on comprend nettement mieux pourquoi la PlayStation a un peu de peine hein, au niveau de son ventilateur. Ça défonce, mais c'est pour une bonne raison. Regardez-moi oh, ce que c'est joli. Magnifique. Prompt?手抜くなよ。はいはいはい。電話はやはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。Mais jusqu'où vont-ils devoir pousser ainsi cette pauvre voiture qui a dû morfler hein, pendant le voyage? 世界広いわ。実感できるな。この実感やでしょ。ああ、mais ce que c'est beau, regardez ça. お前ら押してるか？押してるよ。Eh oui, on y est enfin, FF15. Ah, je sens que ce let's play va être long, mais je sens que ce let's play va être bon aussi. Tout du moins, on l'espère. Hein. Alors ça, après 10 ans, ils ont intérêt d'avoir rendu une copie quasiment parfaite, hein, parce que là... Je laisserai pas passer ça sinon. À noter que les temps de chargement sont aussi un petit peu longués quand même. Hein. Mais bon, ça c'est aussi pour dû à l'immensité de la map. Oi, m'attendais. どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。お、まあ
親父の威厳をそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。D'accord, et là on prend, je suppose, les commandes de Noctis, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour attendre que notre voiture soit réparée? Mais oh là 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 là, non mais alors franchement j'en peux plus à quel point ce jeu est magnifique. Oh punaise. Ah ils ont vraiment, là ils ont vraiment fait fort. Hein. On en a vu des beaux jeux sur PS4, hein, je pense notamment à... Ah, attendez, petit élément de scénario, je reprends après. Alors du coup, on obtient une carte. Alors l'icône du restaurant est affichée sur la carte de navigation ou à droite de l'écran. Commencez par vous y rendre. D'accord, donc on va au restaurant. Donc je vous disais juste avant d'être coupé par cette très chère Cindy qui est relativement peu vêtue, hein, comme dans beaucoup de Final Fantasy d'ailleurs. Mais je disais, on en a vu des beaux jeux sur PS4, mais là je dois admettre que... Ouais... Uncharted ou encore un Tomb Raider n'ont qu'à bien se tenir, hein, parce que là il y a du gros travail qui a été fait, surtout pour un RPG. Allez, on va se rendre au restaurant comme on nous l'a demandé. Bonjour, bonjour, est-ce qu'on peut boire un café? Alors, parlez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des informations, menu, contrat de chasse. Alors, menu. Ah, waouh, ça donne faim en plus. Ah, ça confère des bonus d'attaque, PV maximum plus 200. Ah, ça c'est cool. Et niveau argent, on a 0 gils, hein, donc on va pas aller loin. Alors, une info. Carte mise à jour, les sanctuaires. Donc c'est là où on pourra, je suppose, poser notre camp, sauvegarder notre partie. Parking. Ville et lieu de repos. Très bien. Waouh, bien, masse de choses. Point de récolte. Ah, on peut récolter des choses aussi. En tout cas, la carte a l'air assez grande. Hein. Je suppose que c'est de loin pas l'entier de la carte qui est sous nos yeux. Contrat de chasse. Il y a parfois des contrats de chasse sur les créatures qui représentent une menace pour la population locale. En les remplissant, vous pouvez recevoir des gils sous votre récompense. Commencez par accepter un contrat auprès d'un informateur dans un restaurant. Une fois la cible désignée éliminée, vous pourrez récupérer votre récompense auprès de n'importe quel informateur. En tant que chasseur, vous avez un grade qui progressera au fur et à mesure que vous accomplirez des contrats. Pour monter en grade, vous devrez accumuler des étoiles de Meldacchio. Meldacchio. Vous recevrez des gils à chaque promotion. Un grade plus élevé augmente également le nombre de contrats accessibles. D'accord, et qu'est-ce qu'on a dans les... Oh, il y en a pas mal quand même. Hurlement de faim. Alors, étoile 1, 740 gils de prime, récompense super élixir. Waouh, mais rien que le menu, rien que les menus, je les trouve super, super cool comme ils ont été faits. Alors, désert de Weaver. Et je dois tuer des tas aussi. On va accepter. Hurlement de faim. Très bien, c'est tout? Non, allez, on va tous les prendre. Hein. Désert brutal, ces monstres nous laissent pas une minute... Ah pardon, c'est lui qui disait ça. Alors je dois tuer 5 mesmenirs. On va accepter aussi. Désert brutal. Et, ah, mais à chaque fois on doit y retourner, ça c'est un peu... Ah non, 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 d'accord. Ok, alors si j'en accepte une, je peux pas toutes les accepter en fait. D'accord, on va d'abord faire celle-ci. Prenez soin de vous. Très bien. Alors, on va sortir. Un petit souci. Alors, on va parler à Cindy. Ah,
Alors, le prince mendiant, hurlement de faim. Alors, on peut faire la quête secondaire d'abord, ou aller discuter avec Cindy qui peut nous donner conseil. Alors, l'essentiel des fonds ayant disparu dans la réparation de la régalia, la bande des quatre doit maintenant trouver un moyen de gagner quelques gils, la monnaie utilisée hors d'insomnia. Hurlement de faim, ça on fera après, je vais juste aller parler à Cindy déjà. Hop là, on peut même dasher. Alors, parlez. Alors, les choix multiples. Demander un rabais, demander un prêt, demander aux autres. Je vais demander un rabais, tiens. なるほど。じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。 D'accord, donc on doit éliminer des monstres. Ah, et puis je gagne 10 points de compétences. D'accord, bon, pourquoi pas. Vous pouvez apprendre de nouvelles compétences aux 4 personnages en dépensant des PC, donc points de compétences, dans la rubrique compétences du menu principal. Oh, ouais, alors le menu principal aussi, il est classe. Hein. Alors, carte, quête, équipement, compétences. Alors, compétences. Permet d'obtenir des capacités spéciales, vous obtenez des PC en augmentant de niveau, en accomplissant des quêtes ou en gagnant l'estime de vos amis lors de certaines conversations. Mais oh, ils ont fait un sphérié? Mais non, c'est cool ça. Alors j'ai 10 points de compétence, moi là je suis ici. Ici on a quoi? Réduit le coût en PM des esquives automatiques. Pas aérien, permet de se déplacer dans les airs avec L et rond. Après une attaque située, sauter en dépensant des PM, ok. Augmente les dégâts infligés par Noctis hors d'un enchaînement s'il ne subit lui-même pas de dégâts. Et enfin, permet de faire une esquive sans dépenser de PM en appuyant sur carré juste avant de subir une attaque. Alors, 10, 6, moi je prends l'esquive mesurée, c'est pas mal, on va prendre ça. Voilà, puis après on aura, ah ouais, plein d'autres choses. Oh, puis il y a tout ça, commande, récupération, magie, action, soutien, caractéristiques, loisirs. Waouh! Ah ouais, il y a de quoi faire, ça c'est vraiment bien. Choisissez les armes, accessoires, tenues et commandes des personnages. Noctis peut s'équiper de 4 armes et ses amis sont limités à 2. D'accord. Alors, Noctis. Lame motorisée, javelot, épée à 2 mains, donc il va falloir que j'appuie sur la touche directionnelle pour sélectionner les diverses armes. D'accord, ici, lame motorisée à deux mains. Ah, le Masamune. C'est la fameuse arme que j'ai eue grâce à l'édition Deluxe du jeu. Donc, du coup, vous l'aurez peut-être pas si vous jouez, vous. À moins d'avoir pris justement l'édition bonus, l'édition de luxe, pardon. Alors, épée à deux mains, ouais, bon, on va pas équiper nos amis tout de suite. Par contre, je vais voir un truc, sous uniforme, je devrais aussi avoir une... Voilà, costume royal, le fameux, qui est aussi une... un contenu bonus, voilà, un contenu bonus de l'édition de luxe. Qui donne pas mal, sans la veste, avec la veste, ok, qu'est-ce qu'on a? On a tenue décontractée sans la veste. Ah ouais, là il fait tout de suite moins prince, effectivement. Ah, c'est pas mal aussi ça, sans la veste, avec la veste. Écoutez, le costume royal est sympa, mais je le prendrai plutôt dans une autre vidéo, un peu plus tard. On verra ça plus tard, donc. Et puis ici, est-ce qu'on peut aussi avoir tenue décontractée? Ouais, bon. C'est un peu les Sims là, habite ton personnage. C'est pas sur ça qu'on va regarder. Alors, cartette. Oh, encore un trophée, waouh, il pleut des trophées aujourd'hui. Noctis et ses amis possèdent chacun des aptitudes particulières. Ses talents se développent et se spécialisent au fil du jeu. Noctis c'est la pêche, Gladiolus la survie, Ignis la cuisine et Prompto la photographie. Et on peut à chaque fois gagner des points supplémentaires. Capacité à attraper des petits poissons, Gladiolus... à trouver parfois des potions après les combats. Ah ouais, d'accord. Donc les loisirs vont nous procurer un peu plus de d'expérience. Ok. Mais,
ジージには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。D'accord, et on a reçu un petit peu d'argent pour notre quête. Je vais juste regarder la carte. Regarder la carte, oui, bah c'est ce que je voulais faire, c'est très bien. Donc on est ici, et on doit aller ici. Ça, c'est le prince mendiant. Et un peu plus loin, je devais avoir l'autre quête. Bon, là, il y a un trésor. Ah oui, il nous affiche vraiment tout un peu à l'image d'un Assassin's Creed. C'est étonnant. Alors... Bon, on va aller direction de la quête, hein, écoutez. Du coup, ce qui est dommage, c'est que je peux pas utiliser la voiture pour m'y rendre. Attention, on traverse sans se faire écraser. Hop là, on peut sauter, c'est très bien. Éliminer les monstres dans le périmètre indiqué. Donc là, il y a des monstres. On doit les défoncer. C'est parti! D'accord, oui, alors le mode de combat, j'ai vu ça dans le didaxiel juste avant de commencer. Ah ouais, c'est assez dynamique, c'est... Et hop là. Ah, bah il était cuit. Elle obtient un pic de scorpion, des points d'expérience et... Wouah, je sens que je vais kiffer ce jeu. À un point. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on nous indique quelque chose dessus. Examiner. D'accord. Je vais juste regarder quelque chose dans les... Dans les options, si on peut... Alors, menu principal, inventaire... Ah, on peut pas aller dans les options du jeu. Galerie, c'est quoi ça? Recette, poisson... Ah! Oh, mais ce que ça donne faim! Regardez ça, c'est maquis. Poisson... Rien non plus, mais par contre, moi, je voulais juste voir si je pouvais régler la sensibilité du joystick. Ah bah on peut, bien sûr qu'on peut. Puis on peut sauvegarder aussi. Ah bah tiens, on va profiter. Alors, niveau 1, oui. Ah, ça c'est les sauvegardes automatiques, donc je peux rien choisir. Et par contre, réglage, difficulté. Oh, on peut changer l'audio aussi? Non, je pense pas. Hein. Alors, difficulté, non, on s'en fiche. Caméra, voilà. Axe vertical, sensibilité. Juste mettre un peu moins. Ouais, 2 ça devrait être bien. Je fais juste mon petit test, hein, désolé, je fais un peu. Je fais un petit peu mon petit prince. En l'occurrence, c'est pas une mauvaise idée. Alors, périmètre indiqué là-bas. Et oh là 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 là. Ah, mais j'ai envie de tout explorer, moi, vous êtes fous de me mettre une carte aussi grande. Ah, et puis est-ce que. Ah ouais, ça c'est quand même vachement la classe. Sélection des armes comme ça. Et ça c'est la fameuse Masamune. Qui va avec l'édition Deluxe. On verra si elle est efficace. Alors, nos ennemis sont par là. Attention. Boum. Alors, on est un peu plus lent avec, mais par contre, elle fait masse de dégâts. Wouah, c'est presque... Ah, j'ai oublié de me mettre en garde, là, par contre. Wouah, mais les dégâts qu'elle met, cette épée. Ah, c'est oufissime. Là, par contre, je me suis aussi fait avoir. Par contre, je vais reprendre mon arme ici. Je serai peut-être un petit peu plus rapide. C'est moi où il vient de prendre une photo pendant qu'on se battait. Ah, il a pris une photo, ok. Putain, de l'essence de glace. Ah ouais, c'est dynamique, hein, les combats. C'est assez cool, c'est plutôt bien fait. そっか。 車の整備待ちしたらガーディナで船ね。D'accord, d'accord. Donc ici,
Oh mais regardez ça. Je me demande si on peut vraiment aller partout aux endroits où qu'on voit en fait. Parce que là c'est juste énormissime. Énormissime. Ok, nos ennemis sont là, c'est parti! Ah, elle fait quand même moins de dégâts. Hein. Ah, j'ai quand même une large préférence pour cette épée là qui fait masse de dégâts. Regardez ça! Oh, les dégâts qu'elle met! Ah, ouais, alors l'édition de luxe elle déconne pas avec, avec le contenu supplémentaire là. C'en est presque trop facile là. Ok, très bien. Ah, le téléphone sonne. Ça fait vibrer la manette hein, pour qui, ceux qui se posent la question. Ok, d'accord, donc on nous a donné une seconde quête principale, de retrouver le fameux Dave qui a disparu. Oh là 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 là. Ouais, écoutez la musique. Oh mais la bande son du jeu aussi, mais elle défonce. Oh mais je vais passer de ces heures à jouer, je crois, là, franchement. Ah ouais, le let's play va aller assez vite, hein. Je vous garantis qu'on va pas faire trop long à ce FF15. Ah, celui-là, je vais le rusher, alors. Ok, alors. Personne à l'intérieur. Ah, il y a une note. Un bicorne mutant reconnaissable à ses cornes rouges a été repéré près d'Amered. Merci d'éliminer au plus vite cette terrible menace. Note, l'élimination des Taoti à la région est aussi récompensée. Ah, donc la fameuse quête qu'on a acceptée. Ouh, il se passe quoi ici? Ok. Ah, eux ils déconnent pas. Eux ils déconnent zéro, c'est parti. Allez, la parade. On va en mettre une branlée. Par contre, la caméra est un peu aux fraises ici. Attaque de dos, donc très bien. On gagne un peu des points supplémentaires. Et toi, je te massacre aussi. Ouh, attention, lui, il m'a eu. Faut bien se défendre dans le jeu. Donc là, on a tué les Taoti qu'on nous a demandé, je crois bien. Hein. Donc il y a une deuxième cabane à fouiller. Par contre, la question que je me pose, question importante, est-ce que ça a rempli notre quête secondaire qu'on avait choisie? Je me demande. Hop là. Alors, est-ce que le fameux Dave se trouve par ici? Ouh, regardez autour. Il y a l'air d'avoir du monde. Alors, vers le moulin. Ok, alors. Oh, attention. Oh, attention, attention, attention. Ouh là 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 là. On s'en prend plein les dents là. Allez, on se protège un peu quand même. Hein. Et bim. Du coup, j'ai oublié de me téléporter. Anta, Hunter no Dave ga sagashita ze. Oi, dajoubu ka? Ah. Ore o sagashi ni kita no ka? Chotto ashi o kujite shimatte ne. Na. Chikaku ni yousu no okashii yajuu ga iru nda. Hotondo taoshita nda ga mada 1 piki nokotteru. できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。Alors, accepter gratuitement, accepter
contre une récompense demandée aux autres. On va accepter gratuitement, il a l'air d'un or bien bavé. Obtient une sphère magique, très bien. Alors, vous avez gagné des points de d'expérience, pardon. Oh. Et là, le mutant pourpre, localiser le bicorne mutant. Ouh, ça a l'air d'être du... la grosse bébête. Ah, Ignis nous parle. Ouais, bonne idée, on va faire une pause. Très bien, Ignis. Trouver un camp pour camper. Ah, objet, d'accord, on peut sélectionner des objets. Marquage, balle perçante, ok. Est-ce qu'on peut courir éventuellement? Non. Ah oui, on peut courir, très bien. Et voici un camp. Pour poser le camp. Les sanctuaires permettent à la fois de camper et de déguster la cuisine d'Ignis. Nourriture, obtenir des effets bénéfiques temporaires pour faciliter les combats, camper, assimiler de l'expérience et gagner des niveaux. D'accord, donc c'est quand on campe que l'on... que l'on récupère en fait nos points d'expérience. Alors, sanctuaire de Meriot. Meriot. Temps passé 0 jour, d'accord, pour le moment on n'a rien fait. Ignis utilise les ingrédients dont vous disposez pour cuisiner ses plats. Vous aurez plus de choix à mesure qu'il apprendra de nouvelles recettes. Les effets procurés par la cuisine vous permettront de combattre plus efficacement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bonus de PV niveau 1, bonus d'attaque niveau 3, bonus d'attaque niveau 2, bonus d'attaque niveau 2. Bon, écoutez, on va faire ça. En stock, on a 2, donc il peut le faire. Hein. On va faire ça. Il a l'air convaincu, en tout cas. Wouah, ça donne trop faim! Ah ouais, la cuisine, elle déconne pas, hein. Même la cuisine, elle a été super bien modélisée. Da-da-da-da-da. Ah oui, la belle musique. Alors, ici, si je fais suite. On récupère donc nos points d'expérience. Donc, tout le monde niveau 2, c'est très bien. Même niveau 3, ok. Prompto prend des photos au cours du voyage et les montre aux autres avant de dormir. Vous pouvez enregistrer celles que vous préférez afin de les conserver. Ah ouais, c'est plutôt cool ça. Vous pouvez aussi partager vos photos sur des réseaux sociaux. Non, mais ils sont sérieux là. Excellent. Bon, cela dit, si je choisis celle-là, on va me traiter de pervers. Hein. On va voir ce qu'il y a d'autre. Alors, non, ça colle pas. Non, là t'étais aux fraises, mon pote. Ah ouais, ça c'est mon créateur de vignettes, ça, pour YouTube. Celle-là est sympa. Ah, j'hésite, celle-ci ou celle-ci. Quoique celle-là est sympa aussi, mais... Oh là, il a une tête un peu bizarre, on va prendre celle-ci. Enregistrer cette photo, oui. Partager, comment on peut partager? Partager cette photo, oui. Ah, là, ça va m'ouvrir quelque chose que je voulais pas. Bon, tant pis. On va... on va vite s'enlever de là.
Voilà, ok, bien. Alors, enregistrer, c'est fait. Regardez, ouais, bon, ok. Photo enregistrée. Donc, ok, elle apparaît. Retour, suite, c'est bon, ok. Allons-y, je suppose qu'on va dormir pour récupérer nos PV et nos points de compétences. Pas nos points de compétences, nos points de mana de magie. Nos PM. Vous pouvez sauvegarder manuellement à partir du menu pause, oui, c'est ce qu'on avait fait. Vous pouvez aller à la salle d'entraînement si vous n'êtes pas encore sûr de. Voilà. Alors moi je pensais pas qu'il parlait de la voiture à la base. Alors je regarde juste mon petit timer pour cette vidéo, on est à 36 minutes. Exceptionnellement pour la première vidéo, on la fera plus courte. Les autres, hein, comme je vous ai dit, on fera une heure à peu près par vidéo, histoire qu'on ait bien le temps de se promener, de bien avancer, et puis que ça vous laisse aussi le temps de bien profiter de l'aventure, hein, de ce Final Fantasy XV. Alors, ici, je vais sauvegarder. Alors, du coup, bah, c'est ainsi que je vais terminer cette première vidéo du let's play de FF15, j'espère que ça vous plaît. Alors moi franchement j'ai la hype absolue, je me réjouis d'aller plus loin, je me réjouis vraiment d'arpenter ce monde et waouh, en tout cas pour le moment je suis vraiment pas déçu de ce que je vois. On verra par la suite si ça tient toujours ses promesses, et là je vous dis j'ai pas du tout envie de lâcher la manette, mais il le faut, voilà, des obligations de... Des obligations, ma foi, et du coup, ben, on reprendra demain, donc pour ma part, et ben, je vous dis également à demain. Enfin, quoique, non, peut-être plutôt cet après-midi pour vous, au moment où vous regarderez cette vidéo, je vous en balancerai encore 2-3 peut-être, si j'y arrive. Je vous dis donc à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de ce FF15. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu également. M'ajouter sur Facebook si vous avez envie de voir d'autres informations que uniquement les let's play, donc pour connaître un peu qui je suis, etc. Les choses que j'aime dans le monde du jeu vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye tout le monde.